Aujourd'hui, j'ouvre le Stone Market, mon supermarché. Et en tant que patron modèle, bien sûr, j'ai tout fait parfaitement. Tu te fous de ma gueule? C'est à cette vitesse-là que tu scannes les articles? Bon, j'ai max arnaqué un ou deux clients. $333 le baguette de céréales! Putain, il consomme. Bref, rejoins-moi sur Twitch et bonne vidéo. Vous commencez avec un petit magasin, vous l'agrandirez pour devenir un superbe supermarché. Commencez par acheter des produits, vendez-les et placez-les sur les étagères. N'oubliez pas de fixer les prix avec un bénéfice pour éviter la faillite. Ça me connaît. La faillite, vous êtes des fous. Supermarché. Donc ça, c'est notre petite épicerie. Ok, parfait, on a un petit vélo carré. Bonjour. Donc ici, on a la caisse. Ah ouais, on peut acheter des choses. On peut acheter des céréales, du pain de mie, la farine, du sucre, des pâtes et de l'huile. Ok, j'ai acheté. Et c'est quoi les autres menus? Je peux acheter des licences pour vendre d'autres produits. Donc toi, là, il y a une licence pour acheter de la mozzarella. Ça fait une pile de colis comme ça? Bonjour madame, vous avez vu la pile de colis que j'ai? Tiens, on bat les couilles frère. Y a du passage dans cette rue, qu'est-ce que c'est embêtant. Bon allez, hop, on fout ça dans la boutique. Bonjour mesdames et messieurs, n'hésitez pas à rentrer chez moi. Je viens d'ouvrir mes portes. Stone Market, hein. Ici tous les prix sont à plus 15%. On vend beaucoup plus cher que là, la moyenne, hein. Ok, on met les pains de mie en rayon. Et je fais comment pour une fois que c'est vite ça? Attendez, je peux mettre l'étagère ici? C'est un super magasin pour l'instant. C'est ouvert, n'hésitez pas, hein. J'ai plein de produits, notamment. J'ai plein de produits, de toute façon. Regardez, je vais mettre ça derrière moi. Comme ça, au cas où s'ils veulent voler. Hop, je suis à la caisse. Hop là! Je les attrape. Prix moyen, 0,99. Prix du marché, 3,96. Ah bah, je mets à 5 euros. Hein. Allez hop, 5 balles. Hop là, profit, 4 euros. Et vous achetez, monsieur. Vous êtes un idiot. Il me donne le cash comme ça. Ok, très bien. Oh, tu m'as donné 100 balles! Il faut que je lui rende 95 euros. Monsieur, regardez là-bas! Madame! Pourquoi je l'ai interpellé? J'ai paniqué. Vite! Putain, j'ai gagné 100 balles, les gars. Je viens de lui voler 100 balles. C'est quoi ces voitures de con là? Monsieur, je rigole, c'est un prank. Je vais vous rendre la monnaie, on peut plus rigoler. On n'avait plus le droit de rire. Faut que je rende 95 euros. 50, 20, 30, 10, 5. Bonjour madame! Vous achetez tous du pain de mie, hein? Oh, par carte? Ouais, bien sûr. Total, 5 euros s'il vous plaît. Validé. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Bonjour madame! Bonjour, un petit pain de mie, pas de soucis. Ah bah, j'ai rien à vous redonner. C'est bon, hop. Bonne journée à vous. Votre pull est dégueulasse. Eh non mais vous achetez quand même. Vous savez combien je fais de profit madame? 4 euros de profit. Je suis deux fois plus cher que la concurrence. Vous vous rendez compte de ça? Bon 8 euros j'ai abusé. Y a personne qui va en acheter. Eh, comment ça elle a dit non de la tête? Eh, c'est pas si cher monsieur, hein. Eh, 12 euros le paquet de farine de 200 grammes. C'est les prix, hein monsieur. Buzzcut là. Gaëtan il va se calmer tout de suite lui. Voilà monsieur, enfin quelqu'un avec du goût. Enfin quelqu'un qui achète ma farine à 15 euros. 5 euros? 15 euros. Comment ça, montant correct? 6 euros. Putain, allez, vous avez payé 5, c'est ça. Et revenez plus, de toute façon, monsieur. Fais gaffe, qu'il vole pas. Eh, vole pas. Je suis pas raciste, mais vole pas. Ouais, c'est ça. Fais attention, arrête-toi là. Ouais, c'est ça. Combien t'as? 20 euros, je te rends 1. Tu rends 1 et j'en ai rien à foutre. Tu dégages. Je te rends 1, je m'en bats les couilles. Tu tèches. Non, 19 euros le pain de mie, c'est pas cher. Ouais, c'est ça, barrez-vous. Et revenez. Si vous voulez, revenez, mais je crois qu'il va plus revenir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je dois vous rendre combien? 5 euros, pas de soucis. Eh, bonne journée à vous. Bonjour, madame, ça n'arrête pas, hein. C'est quoi, je suis super U? Il y a déjà plus personne, hein. C'est la dernière cliente. Pourquoi il y a que des gens en costard qui viennent chez moi? Oh, il a acheté 2 articles! Monsieur, vous allez payer un smic, hein, je vous préviens. Monsieur, vous avez vendu votre maison? Il a plus d'abri, mais maintenant il a des tranches de pain. Tu prends quoi, toi? Je suis au Capic. Farine est trop cher pour moi? 3 fois plus cher, c'est quoi? 3 fois plus cher, sale pauvre. Ouais, c'est ça, dégage avec ton pull de Noël. On est en été, comme. Wesh, il m'a donné 100 balles! Monsieur, vous êtes riche? Trade en quoi? Vous avez une tête en tout cas. Oh non, non, non! Non, c'est pas ça que je voulais dire! Eh, vole pas, hein. Je suis pas raciste, mais vole pas. Non! Je voulais dire juste qu'elle a des boss. Oh, monsieur, gardez la monnaie. Monsieur, je vous rends 100 euros. C'est quoi? Je vous offre. Oh putain, je vous offre le truc. Je vous offre. Monsieur, je vous offre l'article. Bonne journée à vous. Comment ça, raciste? Les gars, venez, on améliore le magasin. Agrandissement, voilà, venez, on fait ça. Pour 250 balles, on peut agrandir. Les gars, comment on fait pour avoir de nouvelles étagères? Parce que regardez, là, j'ai bien des produits, mais je peux pas les mettre. T'as une autre étagère, j'encaisse 25 clients pour débloquer. J'en ai un qui ouvre sa gueule dans le chat, hein. J'ai terminé ma journée. Oh, let's go. Client satisfait, 13. Insatisfait, 1. Du coup, j'ai gagné 10 balles. Donc aujourd'hui, j'ai fait 10 balles de renta. Prêt journalier. Vous recevrez des factures quotidiennes à partir d'aujourd'hui. Quoi, j'ai des factures? Je suis endetté? Ah ouais, attendez, je vais éteindre la lumière, les gars. Ça consomme de l'électricité. Vous êtes des fous, quoi. Eh, l'électricité, c'est cher, hein. Bonjour, monsieur. J'espère que vous allez bien. J'aime pas du tout votre coupe. Oh, tout ce qu'il achète. Ouais, tout ce qu'il a... Oh, je suis désolé. Oh, eh, monsieur, hein. C'est pas moi qui ai dit ça, hein. Oh, tout ce qu'il m'a acheté. Eh, hey, reviens quand tu veux mon gars, reviens quand tu veux. Eh, hey, j'ai été gentil, j'ai été bien, j'ai été parfait, hein. J'ai été super, hein. Céréale est trop cher. Eh, hey, tu veux quoi toi que c'est trop cher? Je suis pas raciste, hein. Mais de toute façon, voilà. Toujours pareil, jamais ils sont contents. Il est malade lui. Y'a que lui qui trouve ça trop cher, il a pas honte. Non, c'est pas du racisme. N'importe quoi. Je peux déplacer la caisse? Écoutez-moi bien.
personne sortira d'ici sans avoir payé. C'est trop cher les pâtes. Écoute-moi bien, tu vas acheter les pâtes. Écoute-moi bien, tu vas acheter des putains d'enculé. Reviens là, reviens là. Allez, tu achètes. Maintenant que t'es rentré, tu consommes. Allez, c'est parti. Un petit coup de farine, un petit coup de carte bleue. Pourquoi j'ai mis des prix à 4,50? C'est chiant. Ouais, c'est ça. Allez, bonne journée à vous, monsieur. Je pense que la caisse, le mieux que je peux la mettre, c'est ici. Genre, je pense qu'il faut que je déplace l'ordi. C'est trop bien qu'on puisse tout déplacer, par contre. Ça, c'est vraiment bien. Ok, regarde, je vais faire une technique trop intelligente. Je suis trop intelligent. Pour que les clients ils gagnent du temps, je vais rapprocher les étagères. Ah oui, vraiment, tu vas être super. Et comme ça, on peut se faire une bad cave pour l'ordi. Voilà la Batcave. Ok les gars, on peut améliorer le magasin. Enfin acheter une nouvelle licence. Ok, donc là on va dans gestion, licence achetée. Oh mais j'ai plus de thunes. Oh j'ai tout ça maintenant. Oh la dinguerie, mais j'ai plus une thune. 200 balles. Ça coûte 200 balles une étagère les gars. Oh, attendez, j'ai une technique. Je vais mettre les pâtes à 0€. Là tout le monde va se ramener dans mon magasin. Des pâtes à 0€. Ça va affluer de gens. Y'a des pâtes gratuites si vous voulez chez moi hein. Vous êtes sûr, hein? Bon, et bah, ils vont s'en foutre. Bonjour, monsieur, vous venez pour les pâtes gratuites? Quoi? Quoi? Mais j'ai changé le prix! Ça coûtait 550€! Pourquoi ça a pas marché? Ok, j'ai acheté tout sauf le thé noir. Putain, les œufs, ça doit être mis au frais! Putain, ça doit être mis au frais! Ça doit être mis au frais! Tout ce que j'ai acheté, ça doit être mis au frais. Et tout ce que tout ce que je n'ai pas acheté, ça doit pas être mis au frais. J'ai acheté tout ce qui n'allait pas dans mes étagères. Tout ce qui allait, monsieur, tout ce qui allait pas dans mes étagères, je l'ai acheté. Hop là, 2 secondes, frérot. Si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, ça m'aiderait de fou. Merci à toi, mais va acheter un paquet de céréales. Hop là, oh, je suis riche. Fourniture, réfrigérateur. Oh, let's go. Allume la lumière, allume la lumière. Oh, j'ai un réfrigérateur. Oh, allez. Quoi? Je me dis pas 0 van, je suis baisé là. Non, 0 van, je suis pas baisé quand même. Je viens pas me faire carotte un frigo là. Je me suis pas fait un carotte un frigo. Ah monsieur, je me suis pas fait carotte un frigo. Qui a pris mon frigo? Vous avez pris mon frigo? Je me suis fait carotte un frigo là, mec. Ouais, consomme, consomme. Voilà, voilà, consomme. Alors là, j'ai des couilles en or. Des couilles en or, je vous dis. Hop là, je vous passe tout en caisse. 24€. Hop là. Ah, il m'a baisé le jeu. Bah, je viens de perdre 200 balles. Allez, nique sa mère, je suis prêt. Voilà, j'ai 820 balles maintenant. C'est quoi, juste un réfrigérateur? Non, on va se calmer. On va se calmer. On achète un normal. Bientôt plus de thunes. Et on va racheter une étagère aussi. Bonjour, excusez-moi, j'étais en train de faire de nouveaux achats. J'ai fait un prêt. Hop, directement, Apple Pay. Ok. Bon, bah, ce sera ici. Hein. Eh bah, écoutez, le frigo sera ici. Hein. Il sera ici, et puis ça sera tant pis. Hein. Il y aura pas de négociation possible. C'est quoi ça? Ah oui, c'est l'étagère. L'étagère, je veux la mettre ici. Putain, le frigo, il est vraiment bugué. Prix moyen 5€, je t'en lâche 7. C'est chiant, ça, vraiment, tu peux pas bouger. Ok, c'est quoi? Je vais sauvegarder, je vais revenir. Mais les gars, ça veut dire que si je quitte le jeu, j'ai plus de frigo. Je vais acheter un très gros frigo. Et peut-être les frigos B, ils bug pas eux. Le somme pour les frigos, les gars, je me suis fait baiser en tout 400 balles. Il faut donc que je rachète le... Ok, on va racheter le frigo B, les gars, ok? Donc là, normalement, c'est le grand. Tous les frigos sont buggés, je suis dégoûté. C'est où les factures, les gars, déjà? Je les paye pas, hein. On va se faire foutre, hein. Oh putain, toutes les factures. J'ai 13 centimes, monsieur. Mais tout gratuit pour un mec? C'est quoi, vas-y? C'est quoi, on va faire un free day? On va faire un jour où tout est gratuit. Ok, vas-y, début du free day. Les amis, aujourd'hui, tout est gratuit dans le magasin, vous pouvez... Genre, vous pensez, les gens, ils vont tartiner le magasin ou ils vont prendre juste un café? Wesh. Elle commence à consommer déjà, elle. Bonjour, madame. Alors, je vous encaisse votre article. Ça fera 0€ par carte, s'il vous plaît. Voilà, bonne journée à vous. Bonjour, monsieur. Bonjour, par carte. Ouais, bien sûr, pas de soucis. 0. Bonne journée à vous. Wesh! Monsieur! Toi, t'as bien compris le concept, toi. Tu mets tout à 0 et quand il paye, tu mets à 100. Vas-y. Allez, vas-y. Oh, ça mord à l'hameçon. Ça mord à l'hameçon. Ok, les pâtes. Attends. Putain, j'ai pas le temps. Vite. Non. 333 $, le baguette de céréales. Putain, il consomme. Comment ça, 0? Mais j'ai mis un 300. Elle me vide le rayon, là. Oui, alors oui, les céréales, c'est trop cher. Oui, j'ai laissé à 333. Oui, je comprends que c'est trop cher, là. Wesh. Il est en train de me vider les trucs aussi, lui. Donc là, ça vaut 0€ ce que t'as pris. T'as pris 4 fois 0€, tu m'as donné un billet de 100. C'est déprimant, franchement. Là, faut qu'on achète les produits les plus rentables. C'est quoi? On va faire une étagère de pâtes. Là, cette étagère-là, il y aura que des pâtes. Il faut plus de pâtes. Bonjour, monsieur. Attendez dans le magasin, on va ouvrir bientôt, hein.
Oh! Ok les gars, j'achète le frigo. Poussez-vous! Poussez-vous, j'ai un grand collet! J'avais pas besoin de crier, en vrai j'avais pas besoin. Je vais mettre à l'entrée, c'est ma fierté. Eh, vous avez vu le frigo que j'ai ou pas? Eh, monsieur, vous avez vu le frigo que j'ai? Ah, mais ça se vend super. Ouah, même ça, ça se vend super mal. Ouah, 3000 balles la bouteille d'eau. Ah non, non. Eh, oh! Oh là, attendez, excusez-moi. Ok, vous êtes prêts? Vous avez déjà vu un speedrunner ou pas? Je fais des speedruns Minecraft, donc je peux faire des speedruns caisse. C'est parti, un sucre, hop, directement, 7,50. On continue, on enchaîne. Putain, j'ai déjà raté. Allez, on enchaîne. Bonjour, du thé, avec plaisir. Eh, t'es super sympa. Bon, lui, je pense qu'il va plus revenir en tout cas. Oh, je suis niveau 10. On va acheter un employé. Oh, les gars, on achète un employé. Embauché. Oh, salut mec, tu vas bien? Écoute-moi bien Fabien, l'écart. Aujourd'hui on va pas parler d'argent mais de l'argent avec un grand A. T'as intérêt à scanner vite, hein. Je vais rester à côté de toi, je vais regarder ce que tu fais. Vas-y, comment t'encaisses, ouais? Ouais, comment t'encaisses? Je vais rester dans le coin, je vais regarder comment il encaisse. Et t'as intérêt à bien rendre la monnaie, hein. Tu te fous de ma gueule? C'est à cette vitesse-là que tu scannes les articles? On dort, cousin! Y'a des gens qui attendent, plus vite! Ok les gars, vous êtes prêts? L'aberration? Oh! Oh le magasin! Oh mec, attends! Eh bah, nouvelle caisse, hein! Préparez-vous au colis qu'on va recevoir parce que là, ça va être énorme. Oh là là là. T'es mal à la taille du colis. Bah, on fout ça là en vrai, hein. Oh la frappe. Bonjour, installez-vous. Vous allez bien? Oh, ça me fait plaisir d'aller à la caisse de nouveau. Et là, en même temps, les gars, faut qu'on gère les articles en même temps qu'on gère les caisses. Vous avez vu comment je suis rapide comparé à Michel? Bonjour madame, des petits chocolats, ça fait plaisir pour Noël, j'imagine. Mais pourquoi vous venez chez moi? Mais Michel, tu me sers plus à rien, frère. Il vient tout chez moi, ça rend ouf. Je vais vous niquer. Si je mets la caisse. Ah oh, ouais, je vais faire ça. Ok, faut qu'on déplace la caisse de Michel. Je la recolle au mur encore plus. Ok, je déplace la mienne. Les gars, c'est du travail millimétré qu'on fait. Et ça, on peut pas le coller un peu encore plus au mur? Ça passe! C'est bon, les gars! Attention, bonjour madame, excusez-moi. Un centime. Waouh, putain, vous êtes une crevarde, vous voulez un centime. Hein. C'est une dinguerie, frère, d'être crevard comme ça. Ouais, Michel, en plus, il me fait de l'ombre. Il est trop beau gosse, Michel. Michel, par contre, regarde ta veste, elle sort de derrière. T'es mal développé, Michel. Michel, t'as été mal développé. Oui. Il y a des regards qui sont durs à oublier. Salut Michel, ça va? Bonjour monsieur! Ouais, je comprends que vous passiez avec moi, hein. Michel il fait bader. Hein. Il veut une augmentation, frérot, il est dépité d'être là. Vous savez quoi, je vais faire un prêt. Là, les gars, on a 2 500 € à rembourser en 3 jours. Michel, t'as intérêt à charbonner. Hein. Ça me connaît. La faillite, vous êtes des fous. T'as intérêt à charbonner, Michel. On va se foutre ça en plein milieu. Oh putain, en fait, je sais pas où comment mettre ça. Oh. Faut qu'on agrandisse le magasin. J'agrandis 750. Aïe. Oh, il y a un nouveau truc ici. Oh, parfait. On mettra un autre frigo ici, à mon avis. Ou une étagère. Ok, bon, faudra qu'on rachète de nouveaux trucs. Pour l'instant, faut déjà que je rembourse le prêt. Là, le but, c'est d'être efficace. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Ah, attends, sinon, je mets la caisse ici maintenant. Ah ouais, c'est bien là, les gars. Bonjour, monsieur. Bonjour. Waouh, vous achetez, monsieur. Vous consommez. Franchement, on n'est pas en faillite. Donc, ça, c'est parfait.